Habituellement, l'atelier plastique se fait ici, au Sage. Mais cette fois-ci, il s'est délocalisé à L'Étrier. L'Étrier, c'est une ressourcerie, mais pas seulement. C'est d'abord une structure d'insertion qui prend pour support une ressourcerie. Une collecte où on va chercher des objets du quotidien que les gens nous donnent. Tout ce qui est dans une maison. Ensuite, les salariés vont les nettoyer, les valoriser, les réparer. Ils sont vendus dans la boutique à prix solidaire. Sa première finalité, que ses salariés remettent le pied à l'étrier. Le but premier, c'est l'insertion. C'est vraiment l'insertion socio-professionnelle. On accompagne des personnes éloignées de l'emploi vers un retour à un emploi stable. Lors d'une dizaine de séances, les usagers du Sage des Bains et du Foyer des Cèdres sont venus travailler avec les salariés de l'étrier à la création de réalisations artistiques. L'objectif étant de participer à la décoration du nouveau lieu de la ressourcerie. On vient collaborer pour créer des œuvres, des expérimentations, des produits. On a commencé par les tableaux chromatiques, donc avec des jouets usagés qu'on a triés par couleur. Donc on a réalisé 4 tableaux. Et puis ensuite on est passé à l'assemblage avec l'inox. Et puis là c'est la troisième expérience. Alors là, on fait une tour de lit, on va passer les enfants. Tabagne pourrie. On fait une cabane pour enfants. C'est pour que les enfants puissent aller dedans. Et alors, comment vous procédez? On fait les murs en ligne. On école entre eux. Et vous pensez monter jusqu'où comme ça? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Faut pas avoir peur, hein. C'est une seconde vie, c'est pas un sacrifice. Alors... Non, tu fais quoi, Gaëlle? Bénément bon âme. Et je rajoute la bouche, le nez. Et voilà. Après, il va être fini. Regarde. Et j'aime bien ce qu'on fait, c'est joli. Je vais faire une liste demain. La réalisation de ces sculptures est le résultat d'un travail collectif et collaboratif. Les usagers ont les idées, les salariés de l'étrier ont les outils. Un échange complémentaire, positif et valorisant pour tous. C'est une super collaboration. Pour nous, c'était important qu'il y ait un mixage entre notre public et un public avec une difficulté qui est autre, qui est sur le handicap. C'est aussi permettre aux salariés de l'étrier leur montrer que oui, ils ont eux des difficultés, mais qu'au regard, il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui prennent sur eux, qui avancent. Pour les salariés de l'étrier, ça les met en avant aussi, de pouvoir aider une personne, de se rendre compte de la différence, d'accepter la différence. C'est important, presque plus important finalement pour notre équipe que pour les personnes handicapées qui sont là, puisque finalement, c'est vraiment donnant-donnant, c'est ça qui est riche dans le projet. Nous, évidemment, on est là pour valoriser les pièces artistiques finalement fabriquées par les personnes en fauteuil. Mais ça valorise finalement l'équipe de la ressourcerie. Puisque c'est des gens qui sont plutôt là en assistance et qui là se retrouvent assistants. Notre public à nous a ses propres difficultés. Et du coup, ils oublient la chance qu'ils ont d'être valides et de les mettre face à face. Voilà, toi tu sais faire ça, tu vas faire, et puis tu as du mal à tenir la poupée d'une main et la visseuse de l'autre, je vais tenir d'un côté moi, et toi tu vas tenir de l'autre. On essaye d'être, chacun l'un pour l'autre, être présent, donc on arrive à rapidement s'entendre, et j'aime bien travailler avec Gaëlle d'ailleurs. C'est elle qui trouve les idées, moi je lui dis tu veux mettre ça, elle me dit oui, ou elle me dit tiens la fleur, elle fera bien à côté d'autres fleurs, et voilà quoi. Je demande à quelqu'un de me faire avec lui, parce que des fois à la maison je le fais tout seul, et là je prends pas le risque. Et après comment tu fixes? Là faut de l'aide avec une perceuse. Nous, on entend nos salariés à nous dire, mais grâce à eux, j'ai vu que j'étais capable de faire quelque chose d'artistique. C'est ça qui m'a fait aussi peur, parce que j'ai dit, mince, niveau manuel, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, parce que moi, je ne sais pas faire grand-chose. Bon, je reste dans le domaine où j'arrive à pouvoir les aider un minimum,
Et c'est vrai que du coup, bah, on se complète. Il y a un vrai partage de compétences parce que oui, on ne pourrait pas le faire, nous, on n'a pas les compétences ni le matériel. À l'heure du bilan, l'émotion est sur tous les visages. Les relations tissées traduisent une aventure humaine forte et enrichissante. La rencontre s'est super bien passée. Il n'y a eu que des bons retours. Dès la première rencontre, hein, il y a eu des affinités. Il y a eu, pour les salariés de la ressourcerie, quoi, voilà, une envie d'y aller, ouais, d'avancer ensemble. Ouais. C'est très fort. Hein. Il y a un lien qui s'est créé très vite. C'est, voilà, c'est tous. Hein. L'ambiance est plutôt détendue, ça blague. Tous les côtés, c'est fluide quoi. Moi, il y a une confiance qui s'est mise, un respect. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça permet de voir d'autres choses, d'autres personnes qui nous apprennent beaucoup au final. Ils sont super accueillants, super gentils. Tout de suite, ils ont fait comme s'ils nous connaissaient. Ils n'ont pas prêté attention. Handicap, je trouve, et c'est bien. Ce que ça m'apporte, c'est surtout le point de vue humain, c'est un bel échange. Moi, je pense que ça apporte du bien à toute l'équipe, à tout le monde. Franchement, je trouve que ouais, c'est beau. C'est une belle leçon de vie, en fait, au final, cette rencontre. Ouais. Les œuvres de Gaël, Jonathan, Mehdi, Jean-Marie et Christelle s'installeront quelques temps à l'étrier avant de partir voyager vers d'autres lieux d'exposition.